الشباب خدمت في الشباب وشفت دي جون اللي جاونا من الهي يلعبوا في دي كرون كلوب وشفت لا كاليتي عندنا ساك اللي عندنا رضواني يخلعوا في لي جوار اللي عندنا هنا تسمع سي لو بلون تكنيك لي جوار لي جوار اللي يلعبوا في لي كرون كلوب لي جو في با سي تي نو لقاو دي جوار عندنا مشوف انت في لونطريمون بعيد عليه السماء والارض تكنيكمون كذا الاخر على اللي يلعب في نادي كبير على اللي يلعب في نادي كبير واش غالبو تلقى شويه وحنا خدمنا دون سو سونس هذاك لو بلاسمون هذيك لا ريغور تاكتيك كذا اللي ما عندنا دونك لو كان تكون ان ريفورم ونخدموا لو جون تاعنا من الصغار يدي هما يولوا يحللوا باش يجوا لهنا رضوان لا اون كاليتي انتراس لا كاليتي انتراسيك اسبيس دو برال تي كيس كو تي كوني او فوتبول توا سيريو ok t'as joué en Algérie ensuite t'as fait un test en Europe, t'es parti à Sedan t'as recalé, Sedan qui évolue en Ligue 2 française, ils t'ont proposé de jouer en CFA, t'as refusé, t'es parti. Ensuite t'as joué à Arro, si je me trompe pas, enfin une équipe en Suisse. Bon, championnat suisse c'est niveau Ligue 2, hein, Ligue 2 française, et je suis gentil. Ensuite, il parle de... Vous voyez déjà que par son commentaire, par son intervention, il veut semer la division entre joueurs algériens évoluant à l'étranger et joueurs algériens évoluant en Algérie. Ensuite, là, il parle précisément des jeunes. Donc des jeunes franco-algériens qui jouent dans des grands clubs en Europe, dans des bons clubs, viennent en Algérie et sont effrayés. Hein. Il le dit, hein. Le terme, il est vraiment fort. Hein. Effrayé par le niveau en Algérie. Franchement, c'est hallucinant. Comment on peut sortir de choses débiles? Comment on peut dire de telles choses quand, mis à part l'équipe nationale qui est gérée par un franco-algérien, je le répète, franco-algérien, dont la plupart des joueurs sont franco-algériens, tout le reste des équipes, équipe locale, équipe espoir, et U20, U17, U15, toutes les équipes sont à la rue, et sont à la rue depuis très longtemps. Le seul qui a fait relever un petit peu le niveau, c'est à l'époque de Haj Rawrawa, quand il a recruté Schurman, l'allemand. Il est venu, il a pris l'équipe Espoir, et il a travaillé pendant, je crois, 2 ans, si je ne me trompe pas, et il les a qualifiés pour les Jeux Olympiques de Rio, et la finale de la Coupe d'Afrique perdue contre le Nigeria. Et encore, c'était le travail de l'académie de la FAF, donc Haj Rawrawa. Ça n'avait rien à voir avec les clubs. Voilà, qu'on soit bien d'accord. Quand vous entendez un... Voilà, mis à part qu'il a marqué un but contre l'Égypte, sûrement les joueurs égyptiens ont pris peur en voyant sa dentition à de l'époque. Ben, ils sont tombés par terre, il est passé, il a marqué. Mais à la fin, le mec qui était considéré comme à un certain moment le meilleur joueur du championnat local se fait recaler par Sedan Ligue 2. Ça vous laisse un petit peu. Ça vous donne un petit peu le niveau qu'on a. Malheureusement, hein, c'est malheureux hein, qu'on ait un niveau comme ça en Algérie, mais quand vous voyez le niveau des clubs, leurs prestations en Coupe africaine par rapport à nos voisins marocains, tunisiens ou bien les égyptiens. Voire même les Congolais, on est loin, très très loin. Et pourtant, eux ne font pas tout ce vacarme. Je précise que le Maroc a la meilleure équipe locale, a peut-être l'une des meilleures équipes d'Afrique, le Wydad Casablanca, et pourtant, Vahid a expliqué que leur niveau et le niveau des joueurs marocains évoluant à l'étranger étaient loin. Donc là, nous... Ayant des équipes qui n'arrivent même pas à atteindre des finales, mis à part peut-être voilà, Sétif qui a remporté la Ligue des Champions et l'USMA qui arrive en finale et qui s'est fait massacrer par le TP Mazembe, mis à part ça, il n'y a rien. À l'époque, il y avait un petit peu la JSK, mais sans plus. Faut dire ce qui est. La parlotte, c'est bien. Montrer sur le terrain, c'est mieux. En plus, il sort des... Franchement, c'est des mensonges, hein. Comment il peut dire de telles choses? Il parle de niveau, mais de quel niveau tu parles, mon ami? De quel niveau tu parles en Algérie? Il n'y a pas de niveau. Tout est à refaire en Algérie. Dites Hamdoulek à Belmadi et les joueurs binationaux pour relever le niveau de l'équipe nationale. Parce que c'est l'arbre qui cache la forêt.
Et ça, c'est la faute de ces gens-là, de ce type-là, et cette chaîne de merde, et tous ceux qui travaillent avec lui. D'ailleurs, je vais faire une autre vidéo sur une autre personne qui a encore sorti des conneries. Donc, cette vidéo, elle date du 15, hein, donc ça fait pas longtemps, ça fait 5 jours. Voilà, ça, c'est des gens qui ont... Ces gens-là, ils ont la haine contre le joueur binational, contre les Algériens évoluant à l'étranger. C'est de la pure jalousie. C'est du mépris envers la diaspora algérienne à l'étranger. Voilà. Je ne sais pas de quel niveau ils parlent. Qu'ils viennent voir en Europe les joueurs binationaux qui jouent dans les équipes de jeunes en U13, U15, U17 ou même en U20, il va être effrayé, justement. C'est lui qui va être effrayé. Je ne sais pas de quel niveau ils parlent. S'ils parlent des petits ponts qu'on fait dans la rue, on a tous fait des petits ponts. Hein. C'est pas un souci. Hein. Bref. Cette chaîne doit fermer parce que cette chaîne crée la fitna entre les clubs supporters des clubs algériens et entre les Algériens d'Algérie et les Algériens de l'étranger. Salam alaikum.